Bonjour, comment allez-vous? Ah, j'ai ma baguette de pain, j'ai mon attestation qui est bien datée du 20 mars. Je respecte bien les consignes. Voilà, je suis sorti acheter le pain. Et là maintenant, je vais aller me confiner dans mon bureau et vous retrouver en direct sur Platine Web TV et surtout Platine Web, la radio, en direct sur Periscope. On va rentrer tranquillement et en même temps, on va regarder la route. Alors n'oubliez pas, je me suis rendu compte aussi d'une chose. Pour ceux qui peuvent aller faire deux courses comme ça, je vous rappelle qu'on a le droit de faire les courses prioritaires. Faites bien attention quand vous conduisez parce qu'on se dit « Tiens, ben, y a personne, oh, ben, une petite priorité à droite, un petit... » Non, non, on fait toujours très attention au code de la route. Voilà, je voulais vous rajouter ça en plus. Bonne journée, bon confinement, gardons le moral, à tout à l'heure. Allez, on retourne à la maison maintenant. On n'oublie pas de mettre sa ceinture pour pas que ça fasse bip bip. Vous voulez un petit coup de bip? Allez, un petit coup de bip quand même. Eh ben non, il veut pas. Donc voilà, nous sommes avenue d'Enfer Rochereau, plus communément appelé piste d'Enfer Rochereau. C'est-à-dire qu'à part certaines routes du Paris-Dakar, c'est vrai qu'on dit ça depuis des années ici. Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant, nous reviendrons aux élections et aux municipalités dans quelques semaines. Pour l'instant, rentrons tranquillement à la maison, on fait un petit coucou à tout le monde, voilà. Et on va d'abord se sortir de ce mauvais pas tous ensemble. Je vous rappelle que ce soir, nous allons à 8h, 20h exactement. On va se retrouver en direct certainement de Mireuil ou de Villeneuve-les-Salines, pardon, pour les applaudissements, effectivement, à tout le personnel médical, à tous les soignants, les docteurs, les chercheurs. Mais aussi, on va rajouter, en fin de compte, aussi, il ne faut pas les oublier, les routiers, hein, bien sûr, et puis les éboueurs, et puis les hôtesses de caisse, et puis ceux qui travaillent dans les réserves, dans les grandes surfaces. Pour y avoir vécu pas mal d'années, je peux vous dire que c'est un boulot qui est assez difficile, qui est pour pas dire très difficile. Donc, eh bien, une grosse pensée à vous, et puis à vous, tous qui travaillez, ceux qui êtes dans les égouts, et n'oubliez pas hein, que les égouts et les couleurs, hein, ça ne se... Oui, on ne perd pas son humour, vous savez, chez Platine Web, on ne perd pas son humour. Voilà, on va bientôt arriver près de la maison. Les images ne sont pas très très droites, je vous l'ai dit, mais en tous les cas, ça vous permet de voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde ici. On voit au loin, peut-être que vous allez le voir, parce que je ne peux pas conduire en même temps, filmer. Ouais, j'ai une cigarette à la main de l'autre côté et mon sandwich dans l'autre main. Voilà, donc voyez, vous devez apercevoir le fameux immeuble, le Lincoln, de La Rochelle, très célèbre. Et bien donc, on se retrouvera vers 20h vers le Lincoln ce soir. Je compte sur vous pour applaudir. Allez, à tout à l'heure. Et bienvenue sur la radio.